bas, c'est du vent offshore ce matin sur la Canne. Donc, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est couvert. Il a plu cette nuit, mais ça s'est arrêté. La température extérieure est très douce, 13 degrés. Température de l'eau à un bon 13 degrés. La marée est en train de descendre. Le plan bas est à 11h. Coefficient 79. Et sur ces descendants, le vent est offshore est-sud-est, moins d'un beaufort. Le plan d'eau est parfait, tout lisse, tout propre. Et on a une houle qui est propre, longue, avec 11 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest. Et qui s'est quand même un peu tassé par rapport à hier soir. Le déferlement est régulier à 1 mètre. Et sur les séries, il y a 1,20 m, 1,30 m. Alors au bord, ça fait des vagues qui, aux séries intermédiaires, arrivent à passer un peu. Mais sinon, ça ferme beaucoup. Par contre, sur le large, il y a quelques bouts intéressants aux grandes séries à 1,30 m. Et il y aura des bouts encore plus intéressants quand il y aura moins d'eau dans le courant de la matinée. Vous voyez là, c'est quand même bien posé, bien propre sur les séries. Avec moins d'eau, ça sera intéressant. Déjà des surfeurs qui checkent, personne à l'eau ce matin. Évolution pour le reste de la journée, on attend une poussée de houle accompagnée par des entrées maritimes. Donc à 9h, toujours 1,30 m avec une houle ouest-nord-ouest en seconde de période et déjà un vent de sud-est à un beaufort. À 13h, 1,30 m, 1,50 m, houle qui passe ouest en seconde de période, vent d'ouest dans les 3, peut-être 4 beauforts. Et à 17h, on devrait toucher 1,50 m, houle ouest, 9 secondes de période, vent ouest-nord-ouest, 3 beauforts. Vous avez un créneau assez sympa ce matin à marée basse sur le large. On fait un prochain point à 8h30. À tout à l'heure. Merci.